Les rumeurs disaient vrai. Un Jedi. Et on le livre vivant. Le sénateur Sejan nous attend. Vous pouvez circuler. Il vaut mieux ne pas le faire attendre. Ouais. T'aurais dû mourir avec tes semblables, traître. Alors, où se passe l'échange? Les quais. Il vaut mieux être discret avec ce genre d'affaires. Ok. Mais qu'est-ce qui empêchera le sénateur de prendre notre prisonnier et nous envoyer valdinguer dans les airs? Il doit garder ça secret. Exactement. Il veut duper les inquisiteurs, doubler Vador. Ça gâche un jeu dangereux. Nous aussi. J'aime pas ça. Si on suit le plan, tout ira bien. Du moment que je m'appelle. C'est déjà difficile de joindre les deux bouts dans cette galaxie. Ce n'est pas ce que dit la propagande. Tais-toi, prisonnier. Voilà les clés des voûtes de l'Empire. Mais comment pouvons-nous prospérer que des terroristes nous menacent? Nous avons besoin de votre aide pour identifier les dissidents et les insurgés. Ceci est notre empire. Nous devons tous nous battre pour le prendre. J'arrive pas à croire que je vais rencontrer un sénateur. Ces derniers temps, ils se montrent morts. Il fait une exception pour nous. Eh bien, on a de quoi le faire entrer dans les bonnes grâces de l'Empereur. Ensemble, œuvrons à la destruction de la galaxie. Quoi? Un bouton? Je le vois. Ils l'ont déjà scanné au point de contrôle. Du calme, officier. Le sénateur s'assure juste que tout est réglo. Et c'est reparti. Votre attention. Le niveau 2046 est désormais soumis au couvre-feu sur ordre du sénateur Sejan. Veuillez évacuer les rues et vous mettre à l'abri jusqu'à nouvel ordre. Les patrouilles de sécurité arrêteront et incarcéreront quiconque refusera d'obtempérer. Par ici, Jedi. Les autres, vous restez ici. Ce n'était pas notre convenu. L'accord a changé. Pas question. Soit j'y vais aussi, soit on s'en va. Seulement vous. Les autres attendent. Terroriste. Tu vas le laisser t'appeler comme ça? Ça suffit. Bah, où vous l'avez trouvé? Au marché nocturne. Il essayait d'acheter une caisse de bombes à électro-proton à un marchand d'armes chagrin. Comment vous l'avez arrêté? Les Jedi ont besoin de dormir, comme nous. Quand le sénateur s'occupera de toi, tu imploreras la mort. Toujours sympa de rencontrer des fans. Par ici, Jedi.
occupez-vous de vos affaires. Ce sont mes affaires. Le prisonnier doit être en pleine forme. Le sénateur a demandé qu'on lui amène le prisonnier en vie. Il respire, n'est-ce pas? Ah, les droïdes. Aïe. La zone est-elle sécurisée? Oui, sénateur. J'espère bien. Les chiens de Vador ne sont jamais bien loin. Un Jedi est un cadeau rare de nos jours. Que m'avez-vous amené d'autre? Veillez à ce qu'il soit payé. Ce fut un plaisir, sénateur. J'espère que nous referons bientôt affaire ensemble. Le Jedi Renegat Cal Kestis. Tu t'es forgé une solide réputation. Sabotage de dépôts d'armes. Perturbation des chaînes de production en agitant cette arme à la vue de tous. Le putsch raté. Sur Norseed. C'était toi aussi, je suppose. Que voulez-vous, sénateur? Des aveux signés? Vous savez déjà que j'ai travaillé avec Saw Gerrera. Avant que je ne te livre à l'Empereur, tu vas me conduire au reste des Jedi. Je peux pas. Il n'y a plus que moi. Inutile de résister. Je finirai par découvrir la vérité. Parfois, il suffit juste d'un discours. Mais là-dedans, j'ai d'autres outils à ma disposition. Ou peut-être me contenterai-je de ceci. Le sabre de ton maître, Jarro Tapal, un traître comme toi. Et dire qu'un jour nos enfants nous demanderont ce qu'est cette chose. Une relique d'une institution corrompue, anéantie par sa propre arrogance. L'arrogance est un piège auquel beaucoup se font prendre, sénateur. Je suis sûr que l'Empereur ne m'en voudra pas si je te livre à lui en petits morceaux. Quoi ? Vous pensiez vraiment pouvoir m'attraper? Vous détenez des données militaires sensibles sur votre yacht. Et vous venez de me les livrer. Ah, merci, BD. Tu vas brûler pour ça. Je vais reprendre ça. Arrêtez le Jedi! Je le veux vivant. Allez, viens me chercher. On attaque l'ennemi. Attrapez-le, mort ou vif. C'est tout ce que vous avez dans le ventre, sénateur? Sortez, je vais vous parler. Où est cet assassin? Là, en dessous. Sénateur. Au revoir, BD. Là, il vient vers nous. Il arrive un peu trop vite. Beaucoup trop vite! Tiens bon! Ça fait rien. C'est des choses qui arrivent. Il faut atteindre ce yacht.
C'est pas passé loin, mon pote. C'est pas ta faute. On rattrapera le yacht. Je peux pas l'ouvrir. T'as pas un truc pour t'en occuper ? On doit retrouver ce yacht avant l'Empire. Quelles que soient les infos que cache le sénateur, j'espère qu'elles en valent la peine. Tu perds jamais espoir, toi, hein, mon pote ? On va pouvoir se reposer ici, mon pote. Thank you.
Pitié! J'ai servi pendant la guerre. J'en doute. Maintenant, dégage, ordre du sénateur. Ça suffit. Tirez! Voilà Lyot. Il dérive toujours. T'as bien raison, BD. On va la voir. Je les vois.
La criminalité est en hausse ces temps-ci. Comment il a pu arriver jusqu'ici ? À l'attaque ! Ok, ok, ça va bien ! Moi, je vais venir. Tiens le coup, BD. Ne regarde pas en bas. T'en as mis du temps. Oh, tu sais, je me baladais. J'admirais la vue. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu Coruscant. Merci, Baud. Je fais que mon boulot, Kestis. Quand j'ai vu le quai s'effondrer, je me suis dit que ce coup serait vite bouclé. Pourquoi leur faciliter la vie ? Où est l'équipage ? On va vers le yacht. On les rejoindra là-bas. Oh, et bravo a dit pas de radio. Pas de radio. Bravo, c'est ce qu'il fait. Bélis doivent être en train de mourir de faim. Des Klatouiniens affamés. C'est pas une bonne chose. Rappelle-moi de te parler de la mission sur Carida un de ces jours. On dirait que cette usine a arrêté le yacht. Je crois que c'est gagné. Pas de canonnière. Ils doivent être en train de semer le chaos. On va pas les faire attendre. Bon, tu penses pouvoir renverser cette caisse ? Ça vaut le coup d'essayer. Pratique, ce jetpack. Rappelle-moi de te raconter comment je l'ai eu à l'occasion. Hum.
t'a appris à bouger comme ça? Mon maître. Chaque fois que je tombais, il me remettait sur pied. Ça a l'air d'être un bon prof. Une patrouille de Stormtrooper. On est recherché. Il y avait nous que le yacht, hein? Impressionnant. Qui a besoin d'un jetpack? Ah. Tu vois ce câble? Je m'en charge, Kestis. Des larbins en bas. On peut pas les éviter. Alors on va forcer le passage. C'est quand tu veux, Kestis. On va devoir se battre. J'attends mon signal. Salut les mecs. Chier. Tu nous verras. J'ai une ouverture. Information. Lève-toi. Bien joué. Pareil. On peut appeler l'ascenseur avec ce terminal. Je m'en charge. Les soldats arrivent. On va les prendre par surprise. Bien sûr, à ton signal. Maintenant. Jedi! On ne laissera pas fuir. D'accord, tu sais te battre. Oui, toi aussi. Je parle pas le binaire, mais je comprends, BD. On est une équipe. Essayons ce chemin. Arrête de lire dans mes pensées, Jedi. Thank you.
Cet endroit est une ville fantôme. Coruscant a beaucoup changé ces dernières années. En ce moment, le simple fait de sortir, c'est déjà chercher des ennuis. Parlant de problème, évitons cette patrouille. Je suis d'accord. Ennemi à proximité. Je déteste les droïdes sondes. Idem. Allez, tous sur lui. Bien fait. Tu veux cette promotion ? On fait une bonne équipe. Revenons en arrière. Je crois que BD veut que tu la bouges. Alors maintenant, je dois obéir à un droïde. Ah,
L'Empereur a transformé le Temple Jedi en palais. Ouais, l'Empire est doué pour ça. Prendre un truc que t'aimes et en faire un truc que tu supportes plus. Ça fait combien de temps que tu bosses avec Saw Gerrera ? Pas longtemps. J'ai juste fait quelques missions. On dirait que tu l'as impressionné, ce qui n'est pas facile. Je suis doué pour ce que je fais, je pose pas de questions qui fâchent. En général, ça m'ouvre pas mal de portes. On devrait pouvoir utiliser cette grue pour traverser le pont. On utilise les outils de l'Empire contre eux. Un Jedi ? Blague ça ? Il paraît qu'il y a eu une tentative d'assassinat. Quelqu'un s'en est pris au sénateur ? Il faut du cran pour s'attaquer à cette jeune. Ouais. Il paraît que ses ennemis finissent en jambon hot dog. Je vous ai donné tout ce que j'ai. Nous sommes là pour vous protéger. Ça doit bien valoir quelques crédits de plus. Hostile. Un à la gauche. Abattez la fille. Vous croyez qu'il a peur de moi? Écartez-vous. On y va, Non. La voie est libre. Un genre de minerai rare, je suppose. Oui, c'est magnifique. On va pas là. J'ai hâte de voir ça, Conserve. T'as pas l'air bien.
BD. Vous ne pouvez pas fuir. Ce type t'aimait vraiment pas. Je crois pas qu'il t'aimait beaucoup non plus. Je vois pas comment monter. On va jeter un œil. T'as trouvé quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Un câble d'ascension. Les ouvriers s'en servent pour la construction. Tu peux le réparer? Il est un peu abîmé. Plutôt en bon état. Ça devrait pas prendre trop de temps. À ce qu'on dit, t'as combattu l'Empire sur Kashyyyk? Ouais. T'as piraté un marcheur et forcé un camp de prisonniers impérial à toi tout seul. Ça, c'était BD. Rien que vous deux? Et quelques amis. Et toi, le nouveau? T'es là pour les crédits, j'imagine? J'aime les crédits, c'est sûr. Mais... j'ai une fille. Kata. Je la vois pas aussi souvent que je voudrais, mais au moins je peux la nourrir. Ça doit être dur, d'être loin d'elle. Sa mère est... non, elle est partie. L'Empire nous l'a enlevée. Désolé. Ils ont pris beaucoup de gens. Beaucoup trop. Tu sais t'en servir? Je vais m'en sortir. J'étais faire ailleurs sur Braca. T'as pas chômé pour quelqu'un de si jeune. J'essaie seulement de survivre. Comme nous tous. Le câble d'ascension tient. Tant mieux, j'ai le pressentiment que t'en auras besoin. On peut se servir de ce terminal pour faire pivoter le panneau. C'était pas si dur. On retourne au bon. J'espère que l'équipage va bien. Si Gabs s'ennuie, elle risque de pirater les radios des Impériaux juste pour s'amuser. Elle est si douée que ça. Elle était douée, bien entraînée. Mais elle s'était mise ses employeurs à dos. Bravo était un pilote de la République. Un ex-militaire. Je comprends mieux. Comment t'as commencé à bosser avec Kubelis? Une cantina sur Norcid. Un chasseur de primes m'avait pris de vitesse. Les jumeaux l'ont jeté dans un puits de mine. Depuis, c'est des amis. Équipe, Kestis. J'espère que je fais ma part. Tu nous as conduits jusqu'au sénateur. J'ai l'impression qu'il veut doubler ma part. C'est bien ça, BD? Content de te voir. Salut, bravo. Aucune mission ne se déroule jamais comme prévu, hein. Ça serait pas marrant, sinon. Comment va la nouvelle recrue? Il parle un peu trop, mais il est pas mal en combat. Ça me va. Gabs a piraté le yacht. Le sénateur ne peut pas appeler grand fort, mais il s'est bien barricadé. T'as essayé de toquer?
aucun signe de Cal? Bautista! Bautista! Je venais de parier avec les jumeaux que le sénateur t'avait fait empailler. Je veux ma part. Cal, si tu meurs, c'est moi qui récupère le Mantis. Désolé, Gabs, ça dépend pas de moi. Alors, c'est quoi le plan? Ce yacht est un sénat Ramsidian. Le sénateur y garde des secrets militaires sur son terminal privé. Ça nous donne une chance contre l'Empire. Le problème, c'est que la cabine est protégée par un sas. Même les jumeaux ne pourraient pas l'ouvrir. Comment on va faire, alors? Vous faites descendre le yacht, Jetpack. Puis, place à ma magie de pirate. Avec mon charmant assistant. Je vais nous chercher un taxi. J'en reviens tout de suite. Allez, c'est parti. Les jumeaux, aidez Cal à traverser. Qu'est-ce que je dois faire? T'as un jetpack? Utilise-le. Bien reçu. Merci, les jumeaux. Jedi. Ouvrez l'œil. Bravo, si vous êtes toujours sur la fenêtre. Ouais. La prochaine fois, repérez les gars du syndicat avant de vous bagarrer. Garde-moi. Cal, ça se passe bien? Je profite juste de la vue. Je dois chercher quoi? Deux tuyaux autour du yacht. Ça va demander un sacré tour de passe-passe. Un tour de passe-passe, Jedi. Je pense pouvoir m'en occuper. Hey, Cal, j'ai essayé de bouger ces tuyaux, mais... Oui, Gabs m'a donné l'info. D'accord. C'est bon pour le premier tuyau, Gabs. Tu peux dire aux jumeaux de descendre le yacht? M'en occupe. À vous. Fais toujours attention. Garida, c'est ton bélier. Tu me dois un vaisseau. Pour info, je l'avais un peu baissé. Bien joué, champion. Allez, monte. On va te faire descendre. J'y suis, Gabs. Les jumeaux, le yacht est à vous. Maintenant, cher assistant, il est temps pour nous pirater. Je vous préviens, j'ai toute une escouade ici. Ce type est probablement tout seul. Tiens-toi prêt au cas où. Ah,
Je savais qu'on n'en avait pas terminé. Donnez-nous le code du terminal. Impossible! Ils m'exécuteront! Bien. Par quel outil de négociation devrais-je commencer? Vous avez dit de moi que j'étais incisif. Celui-ci est émoussé. Mais ça ira. Je peux peut-être le faire changer d'avis. Vous allez me donner accès à votre terminal. Je ne peux pas. Faites-nous confiance. Nous sommes vos alliés. Déverrouillez-le. Nous sommes des alliés, je vous fais confiance. Je vais déverrouiller le terminal. S'il bouge, allume-le. Avec plaisir. Allez, BD. Voyons ce qu'on a là. Ils sont partout. Ça, c'est pas vraiment ce qu'on espérait. Des années de combat. Mais rien de ce qu'on a fait ne les a freinés. À quoi t'attendais-tu? Tu as perdu! La République n'est plus... Elle a été tuée par des politiciens comme vous! Crois-tu vraiment que je voulais qu'Utapao rejoigne l'Empire? Les compromis auxquels j'ai consenti ont garanti l'avenir de mon peuple! J'y suis allé sur Utapao. Là-bas, tout le monde vous méprise. Au moins, ils sont en vie! Pourquoi se battre quand la victoire est impossible? La reddition a un goût amer au début, Cal. Mais il s'adoucit avec le temps. Libère-moi, et je te proposerai un marché. Non, sénateur. Un jour, quand vos enfants verront ça, ils sauront que les Jedi se sont battus pour eux. Quelle terrifiante naïveté. Hé ! Les jumeaux ont les yeux qui scintillent. Finissons-en avant de nous retrouver avec un nouvel incident de Carida sur les bras. Qu'est-ce qu'on fait de lui ? Il vient avec nous. Vous entendez ça ? On prend à emporter.